Regarde dans quel pétrin tu nous as mis. Silence là-dedans! Voici donc ce qu'est devenue la France. Des parasites qui saignent la révolution à blanc. Ravi de t'accueillir, citoyen. Hé hey, si tu t'ennuies, je peux te découper Bonjour les moyens. Bonjour à vous, ça te donnera de quoi t'occuper. Affamés. Par avidité. Vous êtes sur les prix. Si vous aviez gouverné le pays, vous n'auriez pas appuyé les paysans. Qu'est-ce que j'ai fait ? Accaparer la nourriture. Reviens à la retirer de la bouche des enfants. Qu'est-ce que j'ai fait ? Justice doit être faite. Va ici ! Du balai ! Inflexible. Qu'on amène les condamnés ! C'est ça. Oh, Vermine.
aucune issue, chien! Allez, montre-toi, sale vautour. Non, je n'aime pas ça. Parce que, monsieur Latouche, votre dernier compte-rendu contenait de nombreuses bévues. Monsieur, j'ai vérifié par 3 fois ces sommes. Il ne s'agit pas d'une erreur. 10 000 livres se sont évanouies du trésor de Sa Majesté. Je regrette, Latouche. Adieu. Monsieur Latouche, on raconte que vous étiez percepteur. Oui, monsieur. Bien. J'aurais grand besoin de vos talents. C'est du parasitisme pur et simple. Ça veut dire quoi? On dit ça des fils de chien qui se remplissent les poches au lieu de faire leur travail. Si tu savais tout ce qu'entendent les rats du chef. Dites-moi davantage au sujet de ce chef. Très bien. Puisse le père de la sagesse vous guider. Qu'attendez-vous de moi, grand maître? Je mets tes services à la disposition de notre agent à la Convention. Le Pelletier ? Non, le Pelletier présente son utilité, mais il n'est pas notre seul ami au gouvernement. Mon bon Latouche, je te présente Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, j'ai cru comprendre que Versailles grouillait de parasites. Dans les mois qui ont suivi. Mais on ignore où et comment ça s'est terminé. On compte sur toi pour le découvrir. Ça y est, le portail est ouvert. Si tout va bien, ce sera ta dernière migration forcée. Et si ça se passe mal, tu te feras griller l'hippocampe et on te nourrira par perfusion jusqu'à la fin de tes jours. Essayons de ne pas y penser, ok? Ça devrait te rappeler quelque chose. Nous revoilà dans le Paris médiéval, à la fin du XIVe siècle. Tu es hors des murs de la ville. Tu dois trouver un moyen d'y entrer.
simulation est en train de se détruire. Trouve la sortie, vite. Tu y es presque. Suis ma voix. Trouve la sortie. Vite. Finissons-en. C'est la dernière ligne droite. Les choses ont beaucoup changé depuis que tu as quitté Paris. Nous avons beaucoup de torts à réparer. Et nous ne sommes pas prêts de trouver Germain. N'en sois pas si sûr. J'ai un nom. Lequel ? Robespierre. Bienvenue, cher client. Que se passe-t-il ? C'est Robespierre. Il a déclaré cette journée « fête de l'être suprême ». Un hommage à la vertu de la nation et aux devoirs de tous les citoyens. Ça me rappelle quelque chose. Une interprétation assez libre de la doctrine des Templiers. Avec tout ce cirque, on ne réussira jamais à l'approcher. Mieux vaudrait se retirer et attendre une meilleure opportunité. Tu penses toujours comme un assassin, mais cette fois, j'ai un plan. Oh ! Et c'est quoi ce plan ? Pensez comme un Templier.
incroyable. Je croyais qu'on était censé devenir des rationalistes. Tout ça. Vive Robespierre! Mon Dieu, est-ce que c'est joli? Bravo. Vive la liberté! Si l'être suprême n'est pas Robespierre, je mange mon chapeau. C'est quoi le but de tout ça? C'est grandiose au point d'en devenir grotesque. Robespierre est inattaquable. Il a fait venir la moitié de la garde. Nous n'arriverons jamais à nous approcher de lui. Ça, je te l'avais dit. Par contre, il est moins populaire qu'auparavant. Les purges, le culte de l'être suprême, si on parvient à le discréditer, s'en sera fait de lui. Quoi de mieux que se donner en spectacle aux yeux de tous? Exactement. Si on arrive à le faire passer pour un fou dangereux, son pouvoir fondra comme neige au soleil. Mais il faudra des preuves irréfutables. Je crois savoir par où commencer. Tu viens ? Retrouve-moi plus tard. J'ai des choses à faire, moi aussi. Dans ce moment, une nation entière, avec tous les oppresseurs du genre humain, suspendre le cours ça, de ce travail héroïque pour élever sa pensée et ses vœux vers le grand être qui lui donna la mission de les entreprendre et la force de les exécuter. C'est toi, lui, dont la main immortelle prendra dans le cœur de l'homme le code de la justice et de l'égalité qui traça la sentence de mort des tyrans. N'est-ce pas lui ici, c'est le commencement des temps. Décréta la République et mit à l'ordre du jour pour tous les siècles et pour tous les peuples la liberté, la bonne foi et la justice. Il n'a point créé les rois pour nous rêver. Il n'a point créé les prêtres pour nous atteler au charme des rois et pour donner au monde l'exemple de la bassesse, de l'orgueil, de la perfidie, de l'avarice. De la débauche et du mensonge. Mais il a créé l'univers pour supplier sa puissance. Il a créé les hommes pour aider, pour s'aimer mutuellement et pour arriver au bonheur par la route de la vertu. L'auteur de la nature a forcément quelque part. Par une chaîne immense d'amour et de félicité. Périsse les tyrans. Oh, oh Seigneur! Oh, c'est parce que quelqu'un a eu la peau de Renault. C'est à vous de purifier la terre qu'ils ont pillée. Espèce de vipère. La liberté et la vertu ont sorti ensemble le butin de la divinité. L'une ne peut séjourner sans l'autre parmi nous. Peuple généreux, je suis triomphé de tous tes ennemis. Pratique la justice. Et rend à la divinité le seul culte digne d'elle. Peuple, livrons-nous pourquoi autant des esprits au transport d'une pure allégresse. Nous combattrons encore les vices et les tyrans. Nous donnerons au monde l'exemple. Des preuves incriminantes. Je dois trouver des preuves incriminantes. Et tu pourras l'honorer encore. À exactement 5 heures du matin, un rappel sera battu dans Paris. Il invitera tous les citoyens, hommes et femmes, à orner sur le champ leur maison des couleurs bien-aimées de la liberté, soit en accrochant leur drapeau, soit en embellissant leur maison de guirlandes, de fleurs et de verdure. Sans le moindre intérêt. Vers le grand être. Il lui donna la mission une de lettre. Les entreprendre et la force de les exécuter. Monsieur Robespierre, veillez à ne pas laisser votre ambition personnelle prendre le pas sur le grand œuvre.
Ce que nous accomplissons n'est pas pour notre propre gloire, mais pour remodeler le monde selon l'image de Jacques de Molay. Germain. Décréta la République et mit à l'ordre du jour pour tous les siècles et pour tous les peuples la liberté. Ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Et la justice. Il n'a point créé les rois pour dévorer l'espèce humaine. Publiciste de la Révolution française, daté du lendemain de la mort de Marat. Sans le moindre intérêt. Monsieur, vous qui avez été le sauveur de la République, je vous implore aujourd'hui d'être aussi celui de mon frère. En ce moment même, il croupit en prison, arrêté par des patriotes plus zélés dans leur héroïsme qu'avisé dans leur méthode. Aucun mandat n'a jamais été émis pour l'arrestation d'André, et pourtant il demeure emprisonné à Saint-Lazare, sous suspicion. Je vous prie de ne pas vous rappeler les écrits de mon frère dans le journal de Paris, car ils sont le fruit du cœur outrancier d'un poète. Je vous implore plutôt, si mes humbles talents ont apporté la moindre pierre au succès de notre glorieuse révolution, d'épargner mon frère. Je vois dans ses œuvres le bourgeonnement du plus grand poète français, une lumière qui brillera éternellement. Patriotiquement vôtre, Marie-Joseph Chénier. Il me faut quelque chose de plus solide. Et ce sera l'honoré encore. Il est enfin arrivé ce jour à jamais fortuné que le peuple français consacre à l'être. Merlin, Tallien, Bourdon, ce sont tous des députés de la Convention. Des listes d'hommes politiques rédigées par un homme qui adore envoyer ses rivaux à la guillotine. Oui, ça devrait faire l'affaire. Pour élever sa pensée et ses voeux vers le grand être qui lui donna la mission de les entreprendre et la force de les exécuter. N'est-ce pas lui dont la main immortelle, en gravant dans le cœur de l'homme le code de la justice et de l'égalité, y traça la sentence de mort des tyrans? N'est-ce pas lui qui, dès le commencement des temps, décréta la République et mit à l'ordre du jour pour tous les siècles, pour tous les peuples, la liberté, la bonne et la justice. Alors ? Une liste de noms. Une cinquantaine de députés de la Convention. Tous opposés à Robespierre. Il veut les éliminer. J'imagine que ces messieurs seraient intéressés d'apprendre qu'ils figurent sur cette liste. Mais avant ? Monsieur Robespierre a fait venir ses propres rafraîchissements. Distrait les gardes, j'ai une idée. Distraire les gardes, je sais faire. Armés, tour à tour, des poignards, du fanatisme. Poison, l'athéisme. Peuple. Armés, tour à tour. Poignards du fanatisme et des poisons de l'athéisme, peuple, crampent leur complot sacrilège. Armés, tour à tour, des poignards du fanatisme et des poisons. Ne craint plus leur complot. Peuple, ne craint plus leur complot sacrilège. Ils ne peuvent pas plus arracher. Peuple ne craint plus leur complot. Je vais t'avoir. Ils ne peuvent pas plus lâcher le monde. Peuple ne craint plus leur complot sacrilège. Peuple ne craint plus leur complot sacrilège. Vous les chassez de la République.
Soyons généreux envers les bons. Compatissants envers les malheureux. Je ne te laisserai pas t'enfuir. Des poignards, des fanatiques, des croissants, des lacunes, peuples. Armés de bateaux, des poignards, des fanatiques, des croissants, des lacunes, peuples. Leur complot. Peuples ne craignent plus leur complot spectaculaire. Ils ne peuvent pas plus arracher le monstre. Peuples! Ne crains plus leur complot sacrilège. Complot. Peuple, ne crains plus leur complot sacrilège. C'est surtout la sagesse que nous coupâmes. De l'ergot en poudre. Cela provoque des hallucinations. Il aura l'air d'un démon. Il ne nous reste qu'à lui donner l'air dangereux. La liste de noms. Il faut qu'elle tombe entre les bonnes mains et de manière anonyme. Si l'on nous repère, Germa sera sur ses gardes. Je m'en occupe. Laisse-moi faire. Il est rentré dans le néant. Ce monstre, le génie des rois, avec pour le avec... On baisse Pierre Perreur sur la liberté et la clémence, alors que l'on guillotine des gens par milliers. Si Danton était encore en vie, il serait tout frais de chagrin. Il ne peut plus dénigrer la divinité par la superstition. On l'associe à leur forfait. Il s'est de la bannir de la terre pour y régner seul avec le crime. Peuple, ne craint plus leur complot sacrilège. Ils ne peuvent pas plus arracher le monde du sein de son auteur que le remords de leur propre cœur. Un forfait. Redressez vos fronts abattus. Vous pouvez être le tueur. Vous pouvez encore impunément lever vos yeux vers le ciel. Héros de la patrie, votre généreux dévouement n'est pas une brillante folie. Si les satellites de la tyrannie peuvent vous assassiner, il n'est pas dans leur pouvoir de vous anéantir tout entier. Homme, qui que tu sois, tu peux concevoir encore des hautes pensées de toi-même. Tu peux lier ta vie passagère à Dieu même et à l'immortalité. Que la nature reprenne donc tout son éclat et la sagesse, tout son empire. L'être suprême n'est point anéanti. Ne nous reposons que sur notre constance et sur notre vertu. Soyons graves et discrets dans nos délibérations. Comme des hommes qui stipulent les intérêts du monde. Que la nature reprenne donc tout son éclat. Et la sagesse, tout son empire, l'être suprême des rois anéanti. Ne craint plus leur complot sacrilège. Ils ne peuvent pas plus arracher le monde du sein de son auteur que le remords de leur propre devrait faire bouger les choses. Soyons généreux envers les bons. C'est surtout la sagesse que nos coupables ennemis voulaient chasser de la République. C'est à la sagesse seule qu'il appartient d'affermir la prospérité des empires. C'est à elle de nous garantir les... Liste d'ennemis de la Révolution. Elle comporte une cinquantaine de noms. Robespierre est allé trop loin cette fois. Mais infaillible, car on notre indépendant. Le loup est dans la bergerie. Que plein les moutons. Et maintenant ? On attend. Ça ne sera pas long. Lorsque Robespierre aura perdu l'appui du peuple, il ne sera plus utile à Germain.
Et quand Germain l'abandonnera, il sera vulnérable. Partons.